assise à côté de moi, la vice-première ministre Joëlle Bouquet, qui, rappelons-le, est également ministre de l'égalité des chances. Je vous passe volontiers la parole. Ah, merci beaucoup. Moi, je suis un peu gênée de conclure parce que, comme Isabelle, je n'étais pas là. Mais j'ai une collaboratrice qui m'a tenu au courant de l'évolution de vos propos. C'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur et que je vous remercie de porter. C'est grâce à des initiatives comme celle de Gams qu'à un moment, avec tout un combat, on peut faire émerger cela sur le plan politique, au niveau national et au niveau européen, et informer de pratiques que le grand public, trop souvent dans nos pays, ignore ou connaissent peu, alors que l'on sait qu'on est quand même encore confronté chez nous, globalement, selon les estimations, à quelques 8000 femmes politiques qui peuvent être concernées par la problématique, et qu'au niveau planétaire et mondial, on en est entre 13 et 20 millions de jeunes femmes touchées par la problématique des mutilations. Donc c'est une importance fondamentale pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, tant au niveau belge qu'au niveau européen, et grâce à toute votre action, nous avons essayé de la relayer avec tout le volontarisme, en tout cas collectif, souvent porté par les femmes diverses et de diverses parties. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de solidarité féminine et de conscientisation par rapport à cet élément-là. Alors, tout d'abord, vous dire qu'au niveau belge, la première chose essentielle, c'est de travailler avec vous. Je ne dis pas du tout par démagogie, pour vous faire plaisir parce que je suis là, mais c'est parce que vous avez le haut, vous avez les connaissances, et que c'est avec évidemment les associations de terrain que l'on peut être plus efficace, parce que c'est vous qui connaissez les choses. Donc, les associations telles que le GAMS ou Intact qui luttent au quotidien contre ce fléau nous semblent être évidemment les partenaires principaux et essentiels. Et c'est aussi, je pense, grâce à votre mobilisation, qu'on a pu convaincre dans toute la discussion du nouveau plan d'action national de lutte contre les violences, de pouvoir enfin mettre tout l'élément de mutilation génitale et violence faite aux femmes dans ce cadre-là, comme étant partie prenante du nouveau plan d'action qui a été discuté avec l'ensemble des différents niveaux de pouvoir. Ce qui est une vraie avancée, à la fois ça, toute la problématique des crimes d'honneur aussi, qui sont liés à un autre type de violence, mais aussi à la diversité de nos sociétés. Et donc, un des grands acquis de ce nouveau plan, c'est donc d'avoir pu à la fois ouvrir tout le plan à ces thématiques-là et d'avoir été relativement concret dans les différentes initiatives qu'il propose. Et je rappelle que même en affaires courantes, même en crise institutionnelle, on a pu, avec l'ensemble des niveaux de pouvoir du pays, en ce compris la communauté flamande, signer ce protocole le 29-23 novembre dernier, ce qui est le seul acte positif et inter-entité fédérée qu'on a pu faire. Et donc, si c'est pour la mobilisation sur les femmes, ça valait la peine. J'étais au moins heureux d'avoir pu sortir un peu de ce qui attendait depuis un certain temps. Et donc, dans ce plan, il y a un grand accent sur tout ce qui concerne l'amélioration de la connaissance de la situation, de la problématique des mutilations génitales en Belgique, notamment au moyen d'études, mais aussi en systématisant l'enregistrement des faits par les professionnels. Il y a toute une série de recommandations concrètes et je pense que c'est vraiment très important, après, profession par profession, d'essayer de le rendre opérationnel. Et puis, il y a tout l'accent relatif à l'information, la sensibilisation, l'implication des professionnels concernés dans la prévention des mutilations génitales. Je suppose qu'avec l'OREC, ce matin, vous avez dû en parler. C'est évidemment tout l'aspect santé qui est fondamental, puisqu'on est dans une approche transversale. Et toute l'importance, grâce à vous, grâce aux actions du centre, de pouvoir organiser toute une politique de... Et, aussi des communautés, une politique de sensibilisation, d'information des professionnels de la santé, dont le rôle est évidemment crucial. C'est les médecins, c'est les travailleurs des consultations OMI, c'est le personnel des maternités, c'est tous les travailleurs sociaux. C'est un point qui me semble très important. Quatrième grand axe de ce plan d'action, c'est le fait de renforcer la prise en charge globale des filles et des femmes mutilées
et à risque, ainsi que la prise en charge de leur entourage. Donc c'est à la fois l'information des femmes immigrées qui sont victimes de violences, quant à tout ce qui existe en termes de possibilités, de soutien, de recours, avec toute une nouvelle campagne d'information qui a été élaborée par l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a été traduite en 17 langues, parce que c'est fondamental de rentrer dans les milieux concernés, dont l'arabe, le turc, etc., et qui va être prochainement diffusé et qui permettra aux victimes d'être plus sensibilisées et au moins d'être orientées vers les services qui peuvent leur fournir une écoute. Et récemment, en plus, peut-être cela a été dit aujourd'hui, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a fait réaliser une recherche relative aux conditions de vie dans les centres d'accueil belges. Et c'est à la suite notamment de cette brochure que des recommandations ont été élaborées pour avoir une approche du genre dans l'organisation des différents centres d'accueil, qui me semble aussi assez important. Alors, le quatrième axe de ce plan, c'est toute la problématique de l'accueil des migrants, et là il y a vraiment énormément de choses encore à faire, c'est l'accueil des migrants qui subissent ou risquent de subir des persécutions en raison de leur sexe. Puisque l'on sait la vulnérabilité des migrantes dans ce cas-là, et on sait aussi à quel point nous n'avons pas toujours les outils internationaux suffisants, suffisamment précis pour prendre en compte cette dimension-là. Donc moi j'ai commandé à une recherche à l'université d'Anvers sur toute la dimension du genre dans la politique belge d'asile et de migration pour voir comment est-ce que l'on peut encore largement améliorer les outils aussi de nos instances internes, même si les conventions internationales peuvent être précisées. Il y a évidemment chez nous aussi une application que nous pouvons faire au niveau national. Et j'attends aussi un état des lieux de la situation juridique des personnes étrangères bénéficiant d'un titre de séjour provisoire et victimes de violences de cet ordre-là, de voir en termes de régularisation, en termes de statut provisoire, etc., ce que nous pouvons faire, même si on ne nous donne pas toujours au niveau international les réponses. Et puis un dernier élément de ce plan d'action, c'est toute la problématique de l'identification des enfants à risque et des enfants victimes, avec des propositions de collaboration, notamment entre l'ONE, KINT, NPIN, SOS Enfants, les Ortros, CENTRA également, les associations de terrain, les services de la jeunesse, la justice, la police. Il y a là toute une collaboration nécessaire pour lister toute une série de pistes concrètes d'amélioration de la prise en charge des enfants. Donc un examen, l'idée d'avoir un examen annuel de l'enfant par l'ONE, Intercusine ou la médecine scolaire, qui doit aussi être sensibilisée, la mise à disposition d'outils pratiques à destination des professionnels ou encore la mise en place d'un certificat médical pour protéger l'enfant en cas de retour au pays d'origine. Voilà un peu pour le niveau belge. Donc maintenant, chacun des niveaux de pouvoir doit réaliser ses avancées dans ses compétences, mais avec, dans la conférence interministérielle, bon, une évaluation constante des objectifs que nous nous sommes fixés. Et puis à niveau européen, Isabelle en a déjà largement parlé, mais nous avons vraiment voulu, sous la présidence belge, mettre un focus très très important sur la problématique de la violence faite aux femmes, de la lutte contre la violence faite aux femmes, en mettant justement en lumière, dans le cadre de notre présidence et avec la Commission, ces nouvelles violences que sont justement les mutilations génitales, les crimes de meurtre, toute la problématique liée à ces différents éléments-là. Et donc nous avons pu organiser les 25 et 26 novembre avec la Commission un important colloque sur les nouvelles dimensions des violences faites aux femmes. Et nous avons la veille sensibilisé les femmes ministres des 27 pays qui étaient venues pour une sorte de forum des femmes ministres pour faire une déclaration très volontaire par rapport à la lutte contre la violence faite aux femmes au niveau national dans les différentes compétences des États membres. Et l'important je pense, de ce colloque, a été non seulement les études qui avaient été commandées, notamment par la Commission, en fait, de ce colloque que nous organisions avec elle, mais aussi la priorité plus importante exprimée au niveau européen de la lutte contre les mutilations génitales. Ça a été l'occasion, dans cette conférence, de souligner à quel point nous devions pouvoir disposer de données quantitatives et qualitatives fiables et de les développer dans les différents États membres et au niveau européen une approche multidisciplinaire.
séminaire axé prioritairement sur la prévention. On a aussi rappelé dans ce colloque à quel point les ONG, évidemment, devaient être pleinement associées et impliquées dans la mise en œuvre de ces politiques et de bénéficier de financements structurés pour y arriver. Et aussi la nécessité d'entretenir un lien fort entre l'Union européenne et les pays touchés par la pratique des mutilations génitales. Et là, il y a un plaidoyer et on va vraiment essayer de continuer avec mes collègues ministres de l'égalité des chances. On aimerait bien aller voir Mme Ashton, dont l'activisme ou pas est pour le moment en discussion, pour demander que dans les politiques étrangères que nous avons au niveau de l'Union européenne, la dimension du genre soit beaucoup plus prise en compte, notamment cette problématique. Et on devait à l'époque parler notamment d'Égypte, on ne peut pas parler sur un autre aspect maintenant. Donc c'est un pays très touché en la matière, mais d'avoir dès lors aussi dans nos politiques externes une logique par rapport à cette cause que nous défendons. Et donc je crois que ce colloque a été important pour faire avancer les choses, ainsi que cette déclaration des femmes ministres européennes, puisque de la réglementation, de la prévention, de l'assistance, de la protection des poursuites judiciaires, on a au niveau de la violence brassé vraiment un grand nombre de principes et de priorité d'action, ainsi que toutes les logiques de coordination entre les politiques. Alors, quoi faire maintenant et comment aller plus loin, évidemment. Donc, on a maintenant les sous-présidences hongroises, et ce que nous avions vraiment demandé à la présidence hongroise, ce qui devrait normalement être fait, on l'espère, on va être très vigilants pour qu'on puisse avancer. Je regrette simplement que sous cette présidence hongroise, on n'ait pas à ce stade un sommet informel des ministres de l'égalité des chances. C'est vraiment, voilà, une période de 6 mois sans, on va quand même essayer, qu'il y ait quelques contacts, pour quand même essayer qu'il se passe quelque chose avec les collègues du gouvernement hongrois. Mais l'idée était évidemment de pouvoir adapter et améliorer le pacte européen pour l'égalité des femmes et des hommes, inclus d'y inscrire des engagements beaucoup plus concrets suite à tout ce que nous avons fait de la part des États membres dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes et en insistant et en mettant beaucoup plus en lumière toute la problématique des mutilations. Donc si ce n'est pas fait sous présidence hongroise, on va faire sous présidence polonaise, on va essayer de le faire. Moi, c'est en tout cas un de mes grands objectifs, ainsi que la lutte contre les stéréotypes. Parce que derrière tout ça, il reste toujours une lutte à travers les années, les décades, et on a le sentiment que plus on avance et plus malgré tout ce que l'on fait, les problématiques persistent sur le schéma culturel qui persiste avec l'idée d'avoir la femme qui est passive, qui peut être dominée avec l'homme dominant, etc. et qui à un moment explique aussi une certaine banalisation ou un sentiment d'infériorité qui à un moment explique la banalisation, voire parfois l'acceptation sociétale des violences faites aux femmes. Et ça, c'est évidemment une lutte inlassable, éducative, culturelle, internationale, à laquelle, évidemment, nous devons, je pense, participer. Donc voilà un peu au niveau belge, tout ce plan qui est un peu notre ligne de conduite pour les problèmes du monde. Et puis, au niveau européen, maintenant, l'adaptation du pacte, et le suivi de toutes ces initiatives en matière de violence faite aux femmes qui a vraiment été initiée dans le trio grâce aussi au volontarisme espagnol qui est quand même et ma collègue très impliquée sur cette thématique-là avec une belle coordination belge. Et maintenant, je crois qu'il y a un vrai combat européen pour garder cette thématique et qui risque peut-être d'être moins apportée par les présidentes suivantes. Enfin, je crois qu'on parle de les femmes du Parlement, les femmes du gouvernement belge, quelles qu'elles soient, futures, passées, on ne sait pas où on va, mais enfin, je pense que cette chose.